Господин полковник, я что-то нашу. Минатак! Минатак! Вид, вид! Допишите! Рука, я там один я. Усе таку нам полнима. Достаны. Скоро. Un peu plus tard, enfin, le cours se termine. Sohan s'approche d'Elena qui range ses affaires, le regard baissé. Ça va, Elena? C'est pas évident, tout ça. J'en ai marre. Je me sens stupide quand ça m'arrive. Surtout au milieu d'un cours comme ça. C'est nul. Tu t'en fous, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous, on t'aime et qu'on te soutient. Elena sent une brusque pulsion de larmes monter en elle. L'envie de se lâcher, de faire sortir toute cette frustration et cette angoisse qui bouillonne en elle. Les humiliations, sa différence. Et pourtant, son amie la soutient toujours. Et quelle amie ! Brillante, belle, pleine de mystère et de romantisme. Douée et pleine de facilité dans tous les domaines. Pourquoi une jeune fille aussi exceptionnelle serait-elle l'amie d'une folle qui crie en pleine classe ? Mais pleurer devant la classe, pas question. Ça leur ferait trop plaisir. Ce serait trop facile. Bon alors les filles, le show est fini? J'ai bien aimé l'épisode d'aujourd'hui, mais c'était un peu court. Vous voudriez pas nous refaire encore une scène ou deux? Ça, c'est Kostia, Constantin Mireff, le copain de Sohan et Elena. Assez élancé, très intelligent et cultivé, bien que peu motivé par les études. C'est sympa? T'es venu en pyjama aujourd'hui? C'est bien ce pantalon? Ça existe aussi pour une seule personne? Lui balance Sohan. Plutôt cool le look de Kostia. Pantalon hyper baggy, t-shirt XXL flottant par-dessus, chaussures de sport lacées enlevées, un lecteur MP3 avec les écouteurs sur les oreilles, et malgré cela, des lunettes d'intellectuel qu'il trahisse. Bon, ok, je préfère pas répondre. Je vous attends dehors, à moins que vous ne restiez couché là. C'est ça, allez, va dehors, ça nous fera des vacances, dit Sohan, sans même le regarder.